Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hello Weddell. On se retrouve euh, et bien pour s'équiper un peu avec notre, euh, notre, notre peu de poudre euh, avant de partir à, à l'attaque de la bouche de marinette finale. Et on avait droppé quelques trucs, notamment une carapace métallique épique. Mais alors qui franchement est pas fifole hein. Après la carte est assez, assez badass. Hein. Doubler la défense actuelle de la cible, il n'y a pas de. de temps de rechargement, enfin de quand ça dure ou quoi que ce soit, donc j'imagine que ça doit être pendant tout le combat. Et on perd quand même 50 PV si on fait ça quoi. Si on le met sur elle on perd 50 PV. Ce qui fait un peu mal aux fesses. On pourrait lui mettre autre chose qui lui améliore ses PV. Il faudrait qu'on booste éventuellement les choses légères. Je suis pas sûr qu'on puisse. Ouais, ça coûte 400. Et lui, on peut pas vraiment, si on lui enlève ça, il va perdre énormément de capacité de critique et c'est quand même ça qui nous fait beaucoup de DPS. quoi Donc c'est un peu emmerdant. Euh, Est-ce qu'on peut améliorer ce falchion, ce fauchon euh... Ah oui, pardon, je me disais que je voyais moins 100, mais ok, c'est parce qu'il compare avec euh, ce que j'ai moi pour l'instant, donc c'est pas moi qui ai l'importance, c'est la fille. Donc il passe de 15 de puissance à 30 de puissance, 0 PV par contre, et 13 de coups critiques, de 10 à 13 de coups critiques, ouais. C'est pas forcément très utile parce que c'est clair que c'est pas elle qui tape le plus. Par contre elle a un boost de défense, ça lui ferait vraiment pas de mal. On va tester si on arrive à lancer le blindage, on verra ce que ça donne. L'armure de plaque, on n'a même pas réussi à piocher sa carte. Ah oui non mais alors oui, par contre c'est vrai que j'ai vu un truc en fait. C'est que quand on est dans le deck de combat là, on peut choisir lequel on a. Et c'est pour ça que euh, bah, on avait certaines cartes et pas d'autres. Donc je pense que je vais choisir du coup elle. Euh, Comme ça on aura euh, de quoi se faire un peu plaisir. On aura l'attaque défensive, le blindage, la charge blindée également. Bon le bug. Euh... Oh, le bug qui est pas si mal hein, l'un dans l'autre. 23 de dégâts à un allié augmente les chances de critique. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Donc on va sectionner ce set, voilà. Comme ça, on aura ces 4 cartes-là plutôt que les 4 siennes. Qui au final ne nous servent vraiment pas à grand chose. La trahison c'est pourri, le trou noir... Euh, c'est ultra contextuel, l'attaque tranchante c'est trop cher et l'attaque à viser pareil c'est assez compliqué à utiliser. Alors que là, mis à part le bug et encore euh, les autres on va pouvoir les utiliser un peu plus euh, largement. Du coup on pourrait se booster peut-être une autre carte. Un, un petit soin ça serait peut-être pas mal ou alors cloner un soin, avoir un soin supplémentaire. Ça serait franchement pas dégueu. Combien ça nous coûterait nous coûte 100, on va le faire alors est-ce que ça nous clone un soin plus plus ou est-ce que c'est un soin de base le ah, deck est plein, on va enlever une imposition des mains et on va mettre du coup un nouveau soin voilà. 4 soins, on sera mieux parce qu'on a vu qu'on prenait quand même assez cher et que niveau DPS on s'en sortait, sortait pas mal, surtout avec ce deck je pense que ça passera mieux euh, Avec ça on fera rien de miraculeux, donc on va se lancer et voir un petit peu ce que vaut cette finale On va normalement avoir un boss à tuer j'imagine, ah, il est là Tuer ce monstre Zanahoria, très bien Conserver notre vie de delà de 250, on sait pas, ne pas tuer de monstre à part Zanahoria, d'accord Donc on peut avoir comme objectif de directement la rocher. Et a une puissante bénédiction d'armure et 800 PV. Ça me paraît envisageable d'aller se la faire direct. Hein. Alors attention, combien, est, combien il y a de mouvement 2. Ok, donc oui, on peut directement poser ça. Voilà. Est-ce qu'il vient vers nous Non, il vient pas vers nous. Alors, par contre... On peut essayer de le piéger, on peut foutre un piège là. Et avancer un peu pour le taunt. Il avance que deux cases, donc on peut se permettre d'avancer jusque là. On va voir s'il se déplace, ça se trouve il ne se déplace pas. Ah Le con Ah putain le con Il peut se téléporter. D'accord. Ah merde, bah j'aurais dû lui sauter dessus direct. <laughs> ah, je me suis fait baiser. Euh, je me suis bien fait avoir. Ok, très bien, c'est pas grave. On va. Alors, du coup, ce piège là il fait un peu chier. Il faudra que je le détruise ou que je marche dessus. Ça fait chier de commencer par perdre des dégâts, quoi. Euh, ou alors je le contourne. Ouais, je vais faire ça. On va commencer à le contourner. J'ai rien pour... Euh... On va faire autrement. On va se donner un point d'action. On va aller chercher ce feu de camp pour compenser... Euh, putain, il est parti où Il est tout là-bas. Donc il va tourner de téléporteur en téléporteur, c'est ça le concept Bon, nous on va se préparer à aller par là. Parce que mine de rien, nos cartes vont, euh, vont défiler au bout d'un moment. Hein. Je suis sûr qu'il va la retourner dans l'autre sens, ce con. Même pas. Ah, elle revient là. Est-ce qu'on peut la combattre Non J'ai pas compris. En fait, elle s'enfuit, on dirait. D'accord. Dès qu'elle nous voit, elle s'enfuit. J'ai l'impression que c'est ça. Ah, et du coup, là, il n'y a plus de téléporteur. Oh la vache, ce monstre de l'enfer Sans déconner. Là, elle est où Ici. Donc si on marche dessus, il n'y a plus de téléporteur. Pourquoi pas Alors si je casse ici, je vais devoir me taper le monstre. Trois Scarecrow en plus. Ah c'est chaud Je vais juste tester de me balader un peu. Je pense qu'elle va pas revenir là du coup, fin du tour. En fait j'ai l'impression qu'il faut que je désactive ces téléporteurs. Putain j'aurais dû lui sauter dessus direct quoi. Parce que là sans combattre un autre monstre, ça va être tant d'axe. Hein. Bon, il va être temps de commencer à se bouger les fesses. Euh, ça on va pas l'utiliser. On va faire ceci, on va faire ça. Lui il a 5 de mouvement. Ah. Ok, donc on va commencer à se préparer. Allez, par là. Ok, poser un feu de camp, pourquoi pas. Donc lui va venir. Ah, il est sur le chemin. <laughs> Salut mec Du coup, on peut plus passer et on hein. a plus de cartes. <laughs> et ben je crois qu'on va pouvoir voir ce que ça fait quand on se trouve sans carte. Euh, je peux essayer de tourner ça et de tourner ça. Donc il va nous tomber dessus du coup. Ok, j'ai l'impression que ce petit épisode va être un échec. C'est pas grave. Dans la vache. Pff. C'est tellement fait défoncer. Alors, ah et ça, ça, d'accord, ça ne peut se lancer que sur un, un allié, pas sur soi-même. Dommage. Euh, c'est du vent, ça. Donc oui, c'est bien, c'est toi qui le lance Hop là. Attends, on a tellement plus de puissance. On va tout le monde. Ils oh, vont -on faire du vol de vie hein, comme des gorées. Et ça c'est bien le truc con, hein. c'est que si j'utilise avec lui qui est plus fort en vent, bah, il inflige 7 de dégâts à un allié au lieu d'afficher 5. Donc il faut que je le fasse. Ça. Et par contre, le bonus de coup critique n'augmente pas. Ouais, on va se faire défoncer. Hein. On va se faire défoncer. C'est pas avec un DPS pareil, en plus ils vont se heal euh, comme des gorets. Ah, puis ils font des coups critiques en plus, quoi. Allez, on va booster un peu la puissance de lui pour revenir à des dégâts. un peu plus potables. Oh là là, pff, des coups critiques, quoi. Et ils vont nous rebaisser notre puissance, donc c'est le moment de faire tout ce qu'on peut. Alors, toi tu peux faire une charge blindée à 82 ou à 63 À 82, hein Voilà Une bénédiction d'armure, bah ouais, va se prendre une double attaque euh... Toi tu vas faire un petit coup sournois, voilà Si c'est pas fifou Ah mais faut arrêter avec les coups critiques quoi Oh voilà, 23 PV, 59 PV. On a fait qu'un combat et on était ça mort, quoi. <laughs> C'est abusé. Oh là, y, a, y, a, y, a, y a. Ah et on a plus de cartes en plus. Alors, par contre on peut utiliser une potion. Ça nous consomme une action. Ouais. Ça nous consomme une action. On va les utiliser, c'est pas grave. Comme ça on voit un peu comment ça marche. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à court de cartes, quoi. Non mais tu veux pas crever Saloperie voilà, oh là purge douloureuse. Retire toutes les malédictions de la cible et infige une fois leur montant. Okay. Retire toutes les bénédictions de tous les ennemis et un fauchon. Ah bah, double double échec là. Non, si déjà on arrive à se faire le boss, ce sera pas mal parce qu'il nous reste, ouais, non, il nous reste zéro carte et on peut aller nulle part. Donc c'est fini. C'est la fin bon, On mon poste heal. Alors, du coup, on va voir ce que ça fait, on va booster E euh, par exemple. Et c'est un échec. Le gardien est inaccessible. On peut continuer, ce qui va être manquant con ou réessayer. ressayons. Bon cette fois on va essayer de lui sauter dessus. Euh, on va regarder si on peut pas... Alors est-ce que c'est vraiment le coup de garder ça Parce qu'elle a vraiment pas de vie. Hein, donc non, voilà. On va prendre... Euh, on va garder son deck. Par contre on va lui remettre... Euh, on va lui remettre l'armure euh, un peu plus parce que là c'était trop le drame. Est-ce hein. qu'on peut pas l'améliorer, cette armure de plaque Plus de vie, plus de défense. Faisons ça. Hop, et c'est parti. Allez, go Tout on fait pas le con. Ah merde, il est à l'autre bout du monde. En, en fait, on avait un départ parfait. Et on s'est fait baiser, mais euh, en beauté, quoi. Alors... Hop, on va foutre un piège là déjà. On va se faire avoir deux fois. Et on va essayer d'aller par là. Ok, il fait déjà chier. Parfait. Merde, c'était très con ça. Euh... Bon, pétons ce mur, prenons du mouvement, allons chercher ces dalles. Par contre, pour pouvoir. Il faudrait qu'on aille par ici. Là. on récupère ça ah merde il va nous poser un, un fucking scarecrow alors il s'est barré l'autre hein. là bas ok du coup c'est plus forcément très utile d'aller par ici on pourrait se contenter d'aller là Alors, euh, ça, j'aimerais bien le garder pour détruire un monstre qui nous emmerde. Euh... Je vais te poser là, toi. Je peux pas te poser là. Ok. Parce qu'il faut que je détruise ces murs-là avant. J'ai pas compris, il était censé se téléporter là, mais il l'a pas fait. Super relou ça. Je sens qu'il va être qu casse-couille ce monstre, hein honnêtement. Euh... Je sens qu'il va être un peu chiant. Un peu de poudre, une moisson de soin et une nageoire de dragon. Ok, très bien. Alors. Poser le feu de camp là pour pouvoir en profiter et eh bah ben non parce que monsieur a envie de faire chier Ah putain en plus le monstre était dessus quoi il euh, y a le scarecrow là donc il va nous le poser il va falloir qu'on le tue très probablement en attendant Ok on va le tuer nous-mêmes Merde je vais poser la dalle Du coup je ne vais pas faire ça sinon il va se popper euh, Est-ce que je peux détruire un téléporteur Complètement. On va faire ça du coup. Ah, il fait venir le monstre. Fumier quoi. Le fumier. Hop, voilà. Je vais devoir refaire le tour comme ça. Il ne reste plus beaucoup de cartes. Ah hein. oh merde, il y a lui qui va nous tomber dessus. Ah, oh, c'est chaud, hein! C'est franchement tendu. Hein. En plus, il nous attaque en premier. Ah, puis ils font des coups critiques quoi. Euh, bah, du coup, on va se soigner. Alors, attends, toi tu soignes de 23, voilà. Ensuite, on a une bénédiction d'armure. C'est moi qui vais prendre. Ah, quoique c'est euh, des trucs qui touchent tout le monde. Ah non, lui il fait une griffure, tiens. Replace la carte de votre choix, on l'aura plus tard. Euh, avant qu'il commence à trop nous casser les burnes, on va essayer de les DPS un peu quand même. Parce que ça, ça va nous foutre, voilà un vieux malus. Alors, on a un soin et on a une attaque défensive. C'est parti, mec, tabasse un peu. Une bénédiction d'armure, on va blinder elle. Alors, choisir. Ah, je suis con, ça la renvoie dans mon deck, mais en fait est, je pensais que ça venait, je la prenais dans le cimetière. <laughs> ah, du coup c'est tout pourri. Ok, très bien. Et bah, ben, comme ça au moins on le sait. Comme ça au moins on le sait. Allez, un petit soin ici pour pas descendre en dessous de 250. Si on pouvait au moins éviter ça, ce serait cool. Et là, on va taper. Allez, il a pas un peu de bol. Là, raté, pas de chance. Oh là là, les coups critiques. Alors il me faudrait une bénédiction de défense. Bon. Comme ça, lui il est mort. On va pouvoir mettre toute notre force sur la tronche de ce con. Voilà. Boum. Aïe. Putain, 256, c'est pas passé loin. va falloir soigner. Après, 17 de dégâts sur toi. Voilà, t'as un peu plus de chances de faire des critiques. Ok. Deux purges douloureuses et de la poudre. Le gardien est inaccessible. Ah merde Ah j'avais pas cette carte du coup Ok 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 Ça va être compliqué <laughs> Ça va être compliqué D'accord Bon cela dit à chaque fois on gagne un petit peu de poudre hein, donc on peut toujours essayer de, de booster un peu des trucs même si ça nous aide pas trop dans le contexte, euh, est-ce qu'on a pas un truc qui ferait plus de mobilité Ouais, oh, t'as deux de mouvement déjà avec ça. Vous avez 5 tous les deux. Ok. Bon, ce deck là marche pas mal. Bon, même si retour à la maison, en fait, euh, je pensais que c'était vraiment une carte quand t'es au cimetière, mais non, c'est une carte dans la main donc. Euh, c'est un peu merdique du coup. C'est quoi qui donnait ça C'était ça. D'un ouais. autre côté, euh, si je lui mets la carapace métallique, même en épique, elle est trop pourrie quoi. Vraiment trop pourrie. Au niveau de l'arme, non, celle-là est beaucoup mieux. 15 cartes ça fait pas beaucoup, je pense qu'on a quand même un deck qui est relativement bien équilibré. En plus, c'est que du vent ou de la pierre donc euh, on profite assez bien des bonus. On a quoi Un point d'action réduit la défense de 50% dans 3 tours. La prochaine carte offensive sera jouée deux fois. Ouais, mais ça coûte deux. Replace dans votre pioche les deux dernières cartes jouées. Donc, ça, ça les fait bien revenir du cimetière. Défausse la carte de votre choix pour en améliorer une autre et rend 2% de vie à tous les alliés. Ça, ça pourrait être pas inutile pour se débarrasser des cartes un peu inutiles de lui. Un sacrifice rare, un sacrifice commun. Ouais. Après, euh, ce qu'il nous faudrait à la limite, c'est des des trucs. C'était quoi C'était pénitence là, qui retirait toutes les malédictions pour enlever les malus de les malus qu'elles arrêtent pas de nous mettre les saloperies. Mais le pro problème, c'est qu'elles les enchaînent quoi. Donc, euh, faudrait qu'on pioche la pénitence au bon moment et qu'en plus derrière. Euh qu'en plus derrière on arrive à faire vite, suffisamment vite c'est tendu est-ce que je peux l'améliorer la pénitence euh, toc, ça coûte 75, on va l'améliorer ça on en aura une, je pense qu'on va virer l'imposition des mains qui au final ne nous sert qu'à compenser tant bien que mal ce que fait le truc et plutôt prendre la pénitence à la place J'hésite à virer. Ouais, plus 29, c'est tendu de sang. Allez, il y avait le lancer de D aussi, ouais, tiens, on va prendre le lancer de D à la place des attaques sacrées. On en a qu'un, ok. Est-ce qu'on a une autre pénitence Non. Non, non, on n'a pas. Donc on va prendre une imposition des mains. Plutôt. Parce qu'on a quand même déjà un très bon DPS avec son arme à lui. Hein. 26,52 de dégâts, euh, c'est quand même plutôt pas mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les Estos et on va prendre les attaques sacrées plutôt. Voilà. Même si c'est de la terre et que c'est quand même lui souvent qui est le plus rentable de les utiliser. Euh, ça fait quand même un bonus vraiment pas dégueulasse de dégâts. Alors que les Estos font limite moins de dégâts et en plus. Euh, en plus, son. donne pas de bonus. Donc là, on a lancé de dés qui peut potentiellement faire très très mal. Des attaques sacrées qui nous permettent de piquer un peu. La pénitence qui aide. Des bénédictions d'armure pour se protéger. L'imposition des mains au cas où la pénitence ne suffit pas. Et des soins, ça me paraît pas trop trop mal. Et on va garder son, son truc à elle. Euh, et bah, du coup, le prochain épisode, on essaiera de retenter la bouche de marinette. Euh, alors, je voulais aussi vous poser une question, comme ça, ça vous laissera un peu le temps de, de répondre. Euh, Urtuk The Desolation est sorti, ça y est, donc je vais recommencer une série dessus. Et du coup, euh, la question que je vous pose, comme ça fait beaucoup de dungeon crawling, c'est est-ce que vous voulez que je continue encore Long Weddon en parallèle, ou bien est-ce que je me concentre sur Urtuk et, euh, et du coup, je ne fais que du Urtuk Enfin il y aura les autres séries à côté hein, mais je remplace Long Weddon par Urtuk. Sachant que Urtuk est un peu plus sympa à, à jouer en, sur YouTube, vu qu'on on peut nommer les gens, il y a un peu d'histoire, il y a un truc, enfin c'est un, un peu plus sympathique d'un point de vue interaction avec la communauté. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Euh, et puis, bah, selon, les, selon les, les, les réponses, je, je, je continuerai le long Weddon si ça vous plaît, ou euh, je le mettrai de côté. De toute façon, je continuerai probablement de le jouer euh, en solo parce qu'il est quand même assez fun, je m'en lasse pas trop. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir suivi la série et je vous dis à très bientôt. On aura au moins un épisode supplémentaire pour se faire cette foutue marinette. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.